Moi, j'aime beaucoup les polars. J'aime beaucoup les polars américains des années 40 et 50. Avec Véronique Vautriche, la scénariste, on a eu une petite idée. Et elle, au bout de quelques jours, elle m'a fait lire quelques pages. J'ai beaucoup aimé. J'avais envie de faire un polar un peu atemporel. On a retravaillé un peu le scénario après avoir choisi le décor, cette île dans le Bosphore. Pour moi, dans tous les films, les décors sont aussi des personnages. Les décors contribuent aussi à créer l'atmosphère. Puis pour un polar et une histoire comme ça, je pouvais rêver rien de mieux que cette île. J'aimerais bien que Fargan, l'inspecteur, soit l'exemple de citoyen turc de demain, d'aujourd'hui, de demain. Pour moi, Fargan, c'est l'ouverture. La mère de l'inspecteur raconte d'où il vient. Il avait occulté pour mieux protéger son bébé. Elle avait fait abstraction de leurs origines kurdes. Parfois, on dirait les Kurdes d'aujourd'hui, c'est comme les Juifs de l'Allemagne dans les années 30 et 40. C'est mieux de ne pas dire qui nous sommes. Et pour vivre normalement, c'est mieux de se dire on est de Turquie. Moi, je fais des films parce que j'aime le cinéma. Et je suis un conteur d'histoire, j'aime la peinture, j'aime la lumière, j'aime le cinéma, j'aime les films. Enfant, j'ai rêvé de faire parler la boîte télé, qui à l'époque c'était large comme ça, etc. De mettre des Kurdes dedans parce que je ne voyais pas des télés qui parlaient en kurde. Plus tard, j'ai compris que c'était Irak et les Kurdes, ils n'avaient pas de télé, la langue, ce n'était pas la mienne, je ne comprenais pas. J'ai trouvé ça vachement frustrant et injuste. Et après, petit à petit, j'ai vu l'image qui bouge et j'aime la peinture, la poésie. Donc voilà, inconsciemment, je m'étais dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Je suis pour la modernité et pour le progrès. Et donc, je crois que l'homme n'a pas trouvé plus ouvert, libertaire, tolérante société que celle occidentale et judéo-chrétienne, ce que j'appelle la civilisation occidentale. J'adhère entièrement à cette civilisation. Évidemment, moi j'ai envie que le décolleté gagne contre le tchadour et le foulard. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important que ça, liberté.